Angela Merkel est née le 17 juillet 1954 à Hambourg en Allemagne. Elle a 64 ans. Son père était pasteur, sa mère femme au foyer. Née en Allemagne de l'Est, son père, proche du régime, évite les menaces liées à la religion de la famille et permet à Angela une vision de ce qui se déroule à l'Ouest. Elle passe et réussit sa thèse en 1986 et devient physicienne. Elle se marie en 1977 à un physicien, divorce en 1982, puis se remarie en 1998. Elle n'a pas d'enfant. Sur l'économie, c'est l'embauche de travailleurs en dehors du cadre des conventions collectives, simplification du système fiscal, réduction des dépenses publiques, création d'un mécanisme de chômage partiel cofinancé par l'État fédéral pour éviter les licenciements massifs, préserver l'emploi et permettre aux entreprises de redémarrer plus fort, un salaire minimum fédéral, la retraite à 63 ans pour les salariés ayant cotisé 45 ans, les investissements dans les infrastructures, le refus d'une hausse de la fiscalité, la gestion de la crise économique grecque avec une position assez dure pour obtenir des réformes en profondeur. Sur l'immigration, c'est la mise en doute du succès du modèle multiculturel allemand, la reconnaissance de l'importance de l'immigration pour l'économie allemande, une politique d'accueil des migrants lors de la vague de 2015 de Syrie, puis un durcissement sous la pression populaire et médiatique avec tentative de mettre en place des mécanismes de répartition européens, la mise en place de mesures de réduction de l'immigration illégale. Sur l'environnement, c'est la prolongation de la période précédant l'arrêt de la production d'énergie nucléaire, l'opposition à la relance des programmes nucléaires civils, le respect des règles du jeu international dans la lutte contre le réchauffement climatique, la défense de la fin du nucléaire. Au niveau européen, c'est l'opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, préférant un partenariat privilégié lors de son premier mandat. Elle est favorable et attachée à l'Europe et aux liens franco-allemands. En termes de société, elle s'est ouvertement exprimée en faveur du mariage homosexuel. Pragmatique, elle est contre les carcans idéologiques car elle considère qu'ils aveuglent les hommes. Pour elle, un système politique reposant sur une idéologie peut s'effondrer du jour au lendemain. Elle est ainsi capable de prendre des décisions qui surprennent tout le monde du jour au lendemain, ce qui la rend incalculable. Sa valeur fondamentale est la liberté, permettre à un individu d'aller jusqu'où il peut aller, d'accomplir son potentiel, l'empêcher d'être à l'étroit et entravé. En termes politiques, il s'agit selon elle d'économie sociale de marché, défendre un ordre économique et social libéral dans l'ordre politique libéral de la démocratie. Elle fait partie de l'Union chrétienne démocrate allemande, partie fondée en 1945, de centre-droit, dont les idéologies sont celles du libéral-conservatisme et de la démocratie chrétienne. Au niveau européen, le parti est affilié au Parti populaire européen. Sur le plan international, il est affilié à l'Internationale démocrate centriste et à l'Union démocrate internationale.